Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie de Dice Throne saison 2. Donc on a pris la boîte 2 que vous voyez là-bas avec la chasseresse et le tacticien, c'est ça. Alors on vous bah, et d'ailleurs je suis avec Théo, pardon Théo, Salut à salut. tous. Et donc avec Théo, on a choisi deux personnages que bah, c'est la première fois qu'on les joue. Donc moi j'ai pris le tacticien et Théo la chasseresse. Avec Nira, sa Ah oui, tigresse. avec la tigresse. Ouais. Toi, tu auras deux compteurs de points De vie. de vie et de combat. Donc voilà. Donc bah écoutez, on va découvrir en même temps que vous ces personnages-là. Après, dès la sortie l'année dernière de la saison 1, Théo a eu les boîtes. Donc du coup, on a fait plusieurs parties de tous les personnages. Et c'est vrai que tu es très très fan de ce jeu-là. Moi aussi, d'ailleurs, j'aime C'est beaucoup. une mécanique vraiment sympa et puis avec des personnages bah, tous différents les uns des autres et Ouais. puis aussi avec bah, chaque personnage a une mécanique différente avec des pions différents donc ça c'est vraiment sympa. Oui, et puis en plus, après, c'est sur la base du gameplay du Yahtzee, du Yams, qu'ils ont amélioré avec des effets de cartes, une sorte de genre de pioche de cartes qui amène Des comment, des pouvoirs. pouvoirs en plus. On peut améliorer nos performances, etc. Donc bon, après, c'est vrai que c'est cool. Ah oui, c'est cool. Et puis, bah, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que sur cette saison 2, en fait, on a des petites aides de jeu. Et en fait, ils ont rajouté cette aide de jeu-là qui nous permet de comprendre les différents types de dégâts plus facilement. Parce que c'est vrai que bah, l'année dernière, on n'avait pas cette aide de jeu-là. On n'avait que celle-ci, qui nous explique les différentes phases, dans quel ordre on joue, donc la phase d'entretien, de revenu principal, de lancer offensif, de ciblage quand on joue à plusieurs, et défensif, encore une phase de lancer principal, et ensuite une phase de défausse. Et c'est vrai que cette aide de jeu supplémentaire nous évite de regarder dans la règle principale, de faire des allers-retours, et c'est vraiment sympa, quoi. Non, c'est vrai que c'est cool. Donc pour le coup, on va commencer. Donc comme j'arrête pas de perdre en Espérons que tu gagnes vidéo, cette bon, fois. ça m'étonnerait, hein, parce que toi, t'es plus fort que moi à Dice Throne, c'est sûr. Et puis, après, en plus, pour ma défense, c'est la première fois qu'on joue le personnage. Alors, on commence, je sais pas si tu l'as dit, avec 50 points de Non, je ne l'ai pas encore santé précisé. Ouais. chacun. Donc 50 voilà nos points. compteurs de points de vie, c'est plutôt cool, hein, avec des petites molettes et tout. Oui, c'est pratique. Vraiment sympa. Et on a également les points de combat. On commence avec 2 PC, 2 points de combat. Et donc voici les compteurs de points de combat. Donc moi j'en ai un pour le tacticien et Théo, lui, va en avoir 2. Et puis quand à chaque début de tour, on a de nouveau un point de combat et on pioche une carte. Et moi, j'ai aussi le compteur de Nira. Donc en fait, lors de la fin d'entretien, je pourrais décider de la mettre de ce côté-là pour la soigner. Ou autrement, si j'ai un minimum de 5 points de vie, de la mettre de ce côté-là pour qu'elle soit active. Et en fait, quand elle est active, elle aura des effets différents qui me permettront bah de m'aider lors de mon tour. Donc c'est vraiment sympa, c'est pratique. Faut dire ce qui est. Donc voilà. Donc là on va commencer dans un premier temps piocher quatre cartes chacun. Toujours Alors, quatre quatre cartes au cartes, tu début de dis, hein? tour. Oui, c'est Alors, ça. une, deux, trois Et quatre. et quatre. Alors, moi, j'ai pioché ces cartes-là. Donc, on a des cartes comme ceci qui ont le tour blanc, comme ça. C'est des cartes amélioration de notre personnage qu'on placera. Donc là, c'est... Bon, c'est pas grave, de toute façon, tu le saches. C'est exploit 2. Que, voyez, si je décide de l'améliorer, je le poserai ici sur mon plateau joueur. On a également des cartes comme ceci qui sont faites, enfin on peut les jouer pendant notre phase de lancer. Ça permet d'améliorer notre lancer, de changer un dé, de rejouer des choses comme ça, de C'est piocher ça. des cartes, etc. En fait, souvent, les cartes oranges, c'est celles que l'on joue en phase de lancer, donc soit offensif ou défensif. Les cartes bleues ou les cartes blanches, c'est celles qu'on joue en phase principale. Et les cartes rouges, on les joue en phase principale ou même on peut les jouer en phase de lancer aussi. Ça dépend de l'effet en fait qui est écrit sur la carte. Donc voilà, Ok. c'est une mécanique simple, faut juste lire. C'est important. Ok. Bon, bah écoutez, je vais commencer. Donc, je regarde un petit peu mes cartes.
Oui, donc on commence avec 2 points de combat. Bah écoutez, je vais améliorer tout de suite, hein, après tout, on va le faire. Je vais jouer cette carte Exploit 2, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc pour 2, alors j'essaie de vous montrer ça si la mise au point veut se faire, mais ça n'a pas l'air. Bon, pour 2 points de combat, donc je la pose sur l'emplacement Exploit et ça m'améliore ma capacité. Par contre, je dépense tout de suite 2 points de combat et donc je suis à 0. Voilà, donc ça c'était ma phase d'amélioration entre guillemets. Et donc ensuite, eh ben écoutez, je vais lancer mes dés. Donc les dés, ils sont sympas aussi, hein, Théo, les dés dans Dice Ah Throne. oui, c'est C'est des des petits. dés nacrés et bah, gravés carrément. Ils sont super sympas. Et puis chaque personnage a sa propre couleur de dés. Je sais que l'autre coup, quand on avait fait un test sur la première boîte de la saison 2 de Dice Throne, t'avais pris le samouraï. Oui. Et les dés, ils étaient jaunes, ils étaient superbes. Donc voilà, mais chaque joueur a des dés différents. Regardez-moi, ils sont gris. Théo, par exemple, je me permets, Oui, Théo, ils vas-y. sont d'un beau, superbe vert. Non, c'est vrai qu'ils sont très très bien les dés hein, dans Dice Ah oui. Throne. Hein. C'est de la Oh, c'est de la bonne qualité, hein. qualité. Après, Lucky Duck Games a toujours des jeux très Oui. qualitatifs. Hein. Donc voilà, donc ben écoutez, moi je vais donc, on a le droit à notre tour en phase de combat, de lancer 3 fois ces dés. Un peu comme au Yahtzee, au Yams, hein, en fait. Alors, c'est parti. Et tu fais une J'ai pas combinaison avec gentil. ce que tu as décrit Ouais. au-dessus. Alors, c'est parti, je lance mes dés. Donc, en plus, c'est très bien, vous allez voir. Je regarde un peu ce que je peux faire. Attendez, j'ai Tu peux ça. presque faire Gagner un truc. tactique. Puis, infliger des dégâts. Quoi, des adversaires différents d'autres choix? Non. J'ai des épées. Bon, écoutez, on va commencer. Je vais garder de côté les épées et je relance. Deuxième lancer. Écoutez, j'ai une autre épée. Par contre, j'ai 2 drapeaux. Les drapeaux, c'est ça. Gagner avantage tactique et lancer un dé. Ah ouais! Ah ouais! D'accord. Bon, écoutez, je vais continuer dans les épées pour le moment. Allez. D'accord. Dernier lancer. Écoutez, j'ai 4 épées et 1 drapeau. Donc j'ai un. Non, ça fait pas de suite non plus de toute manière. Donc c'est parti. Donc j'ai 4 épées et 1 drapeau. Le drapeau, du coup, il me sert à rien. Par contre, pour le coup, les 4 épées, ça va être ici, coup de sabre. Et donc, comme j'ai 4 épées, j'inflige 5 dégâts à Théo. Alors, Très Théo, bien. à son tour, peut se défendre. Tout à fait, oui. Alors, moi, ce qui est. Je peux faire quelque chose aussi, mais je ne vais pas le faire pour ce tour-là pour le moment. C'est forcément au départ, Nira commence active. Et en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux lui donner le nombre de dégâts, un nombre de dégâts que je subis. Pas forcément la totalité. Mais là, pour le moment, je vais juste choisir de me défendre. Donc, je subirai les dégâts ou non. Et en fait, j'ai une phase de lancer défensif avec 3 dés et non 5. Donc, c'est parti. Alors, vas-y. Un seul lancer en défensif. Donc, du coup, je tombe Monte les TD, parce que là, on les voit pas. sur un pic, donc qui me permet de t'infliger un dégât. Donc, tu subis un dégât en retour. Je tombe sur une griffe. Donc, si Nira est active, je t'inflige 2 dégâts en plus. Donc, elle est active. Donc, t'en subis 3. 3. Et j'ai une sorte de. Une C'est jointure. une âme liée. Ouais. Je soigne Nira, mais j'ai pas besoin de la soigner parce qu'elle est déjà à 7. Donc tu Ok. subis 3 dégâts et moi 5. Ok. Alors c'est parti. On prend nos compteurs de points de vie. Et donc je passe à 47. Voilà. Et moi 45. Bon, bah écoutez, hein, c'est ainsi. Donc Et du donc coup. attends, je peux à nouveau, après Oui. ma phase, pardon, offensive, Théo, mets bien tes dés à l'intérieur de ton truc, s'il te plaît. Voilà. Et regarde à l'écran, faut les mêler bien en haut, toi, parce que sinon on voit pas. Alors, pour le coup, après ma phase offensive, pardon, je peux jouer une carte. Mais sachant que j'avais plus de points de combat et que j'ai que des cartes comme ceci qui se jouent pendant la phase offensive, bah, je ne fais rien. Par contre, je peux également défausser
une de mes cartes pour regagner un point de combat. Je pense que je vais le faire. Écoutez, je vais défausser cette carte-là que je mets ici, à côté de ma Pour pioche, gagner un PC. pour gagner tout de suite à nouveau un PC qui me servira à la phase, enfin à ma prochaine manche. Et donc pour le coup, je pioche une carte. Non, c'est à mon tour, au début de mon tour. Oui. Je dis des bêtises. Et donc c'est tout, c'est à Théo de jouer. Alors moi, donc je commence ma phase directement en phase principale, parce que c'est notre premier tour, donc on n'a pas de phase de revenu ni d'entretien. Parce que Nira, au tout début, elle est active, donc je la laisse active pour le moment. Et je vais jouer cette carte-là, donc la carte résistance, qui me permet de gagner un jeton lien avec Nira. Donc elle me coûte un PC, donc je la mets dans ma défausse, au-dessus. Et je prends ce jeton lien. Qui me permet de, si la chasseresse est attaquée alors que Nira est active, elle peut dépenser ce jeton. Dans ce cas, tous les dégâts résultant de l'attaque adverse peuvent être répartis librement entre la chasseresse et Nira. Ou autrement, ce jeton peut être dépensé à n'importe quel moment pour soigner Nira. Donc c'est vraiment pratique. Et je perds un PC, bien entendu. Voilà. Ok. Et je vais faire autre chose pendant ma phase de lancer principale. Pour un PC, je vais utiliser la balafre sauvage. Alors, je choisis un adversaire, donc il n'y a que Bah, y a toi. toi. Et je lance un dé. Donc, je lance un dé. Je tombe sur la flèche. Donc, forcément, c'était si je tombe sur une griffe ou une dent de sabre. Je t'infligerai deux hémorragies, sinon je t'inflige quand même un hémorragie. Donc tu subis un hémorragie. Donc je le mets dans ma défausse. Et l'hémorragie, c'est ce jeton-là qui permet, toi, pendant ta phase d'entretien, il faut que tu lances un dé. Donc si tu tombes sur 1 ou 4 avec ce dé, tu subis un dégât. Sinon, on retire ce jeton. Et donc un joueur, donc si tu fais 5 ou 6, du coup, tu le retires. Sinon, D'accord. à chaque fois, tu lanceras un dé. Et si tu tombes sur 1 ou 4, tu subiras tout le temps un dégât. D'accord, donc tu me le mets sur mon plateau joueur, du coup. Voilà, c'est ça. Eh bien, Donc, écoutez, ça commence bien. du coup, pour ma phase principale, c'est bon. Donc maintenant, je fais ma phase de lancer offensive. Alors, vas-y. Alors, hop. Pour le moment, j'ai deux lances, deux griffes et une âme liée. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça déjà? Ouais, donc, Théo la regarde sur son plateau joueur. Je peux déjà faire quelque chose. Oui, et je vais faire ça déjà. Je vais commencer comme ça. Alors, vas-y. J'ai une traque prédatrice. Super. Donc, je soigne Nira de 1, mais j'ai pas besoin parce qu'elle est déjà au max. Mais par contre, je t'inflige 5 dégâts. Et puis, comme Nira est active, tu subis 2 dégâts supplémentaires. Ouais, mais Donc, tu j'ai en mis as ma phase de 7. lancer Oui, tout à fait. défensif et moi en jet défensif, j'ai 4 dés. Donc, tu en as 7 pour le moment. Allez, super, merci. Je sens. Et la dernière fois qu'on a joué à l'autre boîte, là, la première boîte de la saison 2, avec c'était le Samouraï samouraï et et l'as de la l'as de gâchette. la gâchette, une sorte de. C'est une fille, c'est une Oui, cow-boy, c'est entre ça, guillemets. oui. J'ai perdu. Tu m'as mis une déculottée, mais Oui, monumentale. effectivement. J'avais quoi? Zéro et t'avais combien de points de vie, toi? 30 ou un truc? 32, je Ouais, un crois. truc comme ça. Bon, allez, c'est parti. Lancer. Défensif, pour chaque épée, infliger un Un dégât. dégât. Non, pour deux épées, infliger un dégât. Donc, t'as deux dégâts. Et toi, 7. Super! Très bien. 7, je passe déjà à 40. Et moi, 43. Donc, t'es passé en dessous de moi. Ouais, mais après, C'est serré pour le moment. c'est moins flagrant que la dernière fois. Alors, du coup, je fais pas d'autre phase principale parce que, hop là, j'avais oublié d'enlever mon PC parce Ouais, il que est là. j'ai pas d'autre PC. Et par contre, je vais défausser une carte, je vais défausser essai encore, Ok. qui me permet de moi-même ou un coéquipier de Bon, c'est pas grave, relancer jusqu'à 2 dés. bon, Mais t'es pour pas le moment, ça obligé m'est pas d'agir pour le d'utilité. moment, hein, si tu la défausses. Donc, du coup, je gagne un PC et c'est à toi. C'est à moi. Ok. Alors, c'est parti. Donc, je pioche une carte. On est d'accord. Je me mets un point de combat.
Donc je suis à 2 pour le coup. Ok. Et donc, je regarde un petit peu mes cartes, que voici. Ah, donc voilà, celle-ci, on l'avait facile, on avait joué une carte bleue, je sais plus. Oui. Donc j'ai cellule de crise qui peut se jouer là, tout de suite, pendant la phase principale. Donc j'ai le droit de lancer un dé et je gagne la demi, enfin la moitié, pardon, de sa valeur, arrondie au supérieur, en avantage tactique. Donc les petits pions que j'ai déjà, là j'en ai 2. Eh ben écoutez, je vais le faire, je vais la dépenser pour un PC. Oh, quoique. Si je la dépense pour un PC, c'est parti. Donc un PC et je lance un dé. Et je gagne sa valeur en points de combat. C'est parti. Alors j'ai fait un 5, donc arrondi au supérieur 3. Donc je gagne 3 points de combat. C'est ça, on a 4. Donc je suis à 4. C'est plutôt intéressant comme carte. Surtout quand on fait un lancer correct sur tout ça. Donc, alors, c'est parti. Je regarde un peu. Bah, écoutez, j'ai rien d'autre. Donc, je vais lancer et donc attaquer. Par contre, oui, avant, t'as oublié... Oui, lancer, je sais plus pour quoi. Pour la phase d'entretien, oui. Hémorragie, rappelle-moi. Pour essayer de l'enlever. Alors, donc, si tu fais 1 ou 4, tu subis un dégât et il ne s'enlève pas. Si tu fais 5 ou 6, il s'enlève et tu subis rien. Eh ben, j'ai fait 6. Très bien. Bah, tu subis rien, donc je récupère mon jeton. Tiens, monsieur. Et donc maintenant, phase, offensive de combat. C'est parti. Alors, j'ai 2... comment ça s'appelle ? Étendard. J'ai 2 sabres et une médaille. Alors, qu'est-ce que ça me fait, ça ? Donc, j'ai 1, 5, 6. Ça ne fait pas grand-chose. Ah, si, attendez. Je vais essayer une chose. Je vais essayer de faire profiteur. Donc, il me manque un étendard que j'ai pas. J'ai un dernier lancé. Je l'ai pas. C'est pas possible. Écoutez, j'ai rien, je crois. Je crois que j'ai rien. C'est pas possible, ça. Mmh. Ah, mais je peux jouer une carte. Oui, peut-être, oui. Alors, attendez... On va occuper de votre choix. Vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés. Eh bien, très bien. J'utilise un PC. Je joue essai encore pour un PC, un point de combat. Je peux relancer jusqu'à 2 dés, ce que je vais faire. Donc, je la joue. Je dépense un PC. Donc, je suis à 3. Et je relance 2 dés. Ah, ben, magnifique. J'ai réussi à l'avoir. Donc, j'ai fait profiteur qui me dit... Gagner avantage tactique. Je me prends un nouveau un pion avantage tactique. J'ai une limite d'empilement de 5. Je peux lancer un dé. Donc, je lance un dé. J'ai un étendard qui... Sur étendard, gagner 4 avantages tactiques. Je donc peux en rajouter que 2. Et je subis rien. Et c'est tout. Voilà. C'est tout. Alors, attendez, je regarde juste... Ok, je dépense un avantage tactique que j'ai. Pour, qui me dit, quand on dépense un jeton avantage tactique, vous pouvez relancer un de vos dés à n'importe quel moment. Donc du coup, je peux le relancer pour refaire ça. C'est à n'importe quel moment. Je pense, oui. Alors, je le fais. Et j'ai une épée. Alors, une épée dit sur... Enfin, un sabre, pour oui, le tacticien. Ça. Sur sable, infliger 5 dégâts. Donc, avec mon sabre, je t'inflige 5 dégâts. Très bien. Alors, ce que je vais faire... Donc, tu as le droit à ton truc défensif. Je vais, dans un premier temps, utiliser mon lien avec Nira pour répartir les dégâts de part et d'autre entre moi et elle. Donc, moi, je vais en subir 3 et elle 2. Donc, voilà. Et j'ai oublié de vous préciser en début de partie, je l'ai découvert à l'instant, Nira commence avec 5 points de vie et pas 7, donc elle n'a pas son maximum au début d'accord, de partie. Okay. Donc là du coup j'en subis 2 avec elle, donc je suis à 3, ouais. Et j'en subis, pour le moment je vous raconte des bêtises, pour le moment je reste à 5, je me défends d'abord. Ouais. Hop. Donc là t'en as 3. Non mais t'en as 5 dégâts en tout, tu te défends. Oui, dans un premier temps. Vas-y. Alors, je tombe sur une lance, donc tu subis un dégât. Ouais. Je tombe sur une griffe, donc je soigne Nira
de... Non, je t'inflige 2 dégâts, Oh, pardon. c'est Donc pas tu en vrai. subis 3. Je suis à 37. Et j'ai une dent de sabre. Donc avec celle-ci, je ne subis... Enfin, je ne fais rien. Alléluia. Donc moi, du coup, comme j'ai dit, j'ai réparti respectivement. Donc Nira en subit 2, donc elle est à 3. Et moi, j'en subis 3. 3, donc je suis à 40. Voilà. Bon, bah moi je suis à 37, lui à 40. Ça reste serré, hein. Pour le moment, oui. Ok. Et donc tu as encore une phase de lancer. Non, c'était... Une phase principale. Est-ce que tu joues une C'est carte? toi qui jouais là. C'est toi qui m'attaquais. Ah oui, c'est vrai. Je ne Donc sais c'est même plus toi, ce que je est-ce que tu as fais. une phase Oui, principale est-ce que encore? j'ai une phase principale? Eh bah écoutez, non, je n'ai pas de phase Et une phase de principale. défausse, tu défausses ou Non, je non? ne défausse pas. Très Donc bien. c'est à toi, vas-y. Donc je gagne un PC. Ouais. Je pioche une carte. Je mets Nira de ce côté-là. Elle est Inactive. inactive. Et du coup, je me soigne de 1. Ok. Parce que je la mets pas active. Donc voilà, je me soigne de 1. Et du coup, 1 indique un minimum. Oui. Donc en fait, elle sera active si j'ai un minimum de 5. Donc pour le moment, j'ai 4. Donc elle reste inactive. Mais je me soigne quand même. Du coup. D'accord. Elle est partie se soigner, Nira. Elle est partie se Voilà, planquer c'est dans la ça. forêt. Alors en phase principale, est-ce que je En peux faire savane, quelque chose? je sais pas trop. Non, pour le moment je ne fais rien, donc je vais faire ma phase de lancer offensif. Offensive, Et vas-y. donc, dans un premier temps, avant de la faire, je vais utiliser bondir, qui s'utilise pendant la phase de lancer offensive. Donc, pour 0 PC, donc je lance 5 dés. Non, je viens de lire la carte, il faut que je la fasse après. C'est parce qu'il me semble, je trouve ça Donc, bizarre. d'abord, je le fais et ensuite j'aurai un dernier lancer que je pourrais réaliser. Donc, alors, je regarde un petit peu. Quelle horreur, cette carte. T'as trois griffes. Pour le moment, Super. qu'est-ce que je peux faire, Oui, mais c'est après. hein? Oui, c'est après, oui. D'accord, ok. Eh bien. Lancer un dé. D'accord, et bah je vais garder mes trois griffes. Je vais relancer deux dés. Et bien parfait. Donc je tombe sur sauvage. Donc j'ai trois griffes et une dent de sabre. Donc déjà tu subis quatre dégâts avec ceci. Eh bien, dites-moi. Je relance un dé. Voilà, je relance un dé. Et je retombe sur une griffe. Donc si je tombe sur une griffe, tu subis deux dégâts en plus. Et ensuite, je vais utiliser la carte bondir, bien entendu. Suis à 31. La carte bondir, donc qui me permet de réaliser un nouveau lancer à 5 dés pour 0 PC en plus, c'est vraiment bien. Donc je vais la jouer tout de suite. Donc. D'accord. Alors elle me dit ajouter un dégât par lance. Donc j'ai deux lances. Donc tu as encore deux dégâts Et supplémentaires. après, j'ai ma phase défensive. Oui. Je suis à 29. Donc on verra combien tu pars de Bah, je dégâts. vais prévenir après. Je les remettrai, c'est pas grave. Donc Voilà. là, je suis à 29. Voilà, très bien. Et par griffe, tu subis hémorragie. Donc il n'y a qu'une seule griffe. Donc tu me redonnes un petit jeton hémorragie que je Tout à mets fait. ici. Voilà, et les autres, j'ai une dent de sabre et une âme liée, mais ça ne fait rien. Donc voilà Bon, la ok. carte Allez, moi que je je me défends quand défausse. même. Je lance 4 dés. Alors, prévenez un dégât par étendard. Donc, je remonte à 30. Sublime. Très bien. Attends, il faut que je finisse, mais je suis à 30. Voilà. Et donc, j'ai deux sabres. Les deux sabres, alors, par deux sabres, je t'afflige un dégât. Donc, tu as un dégât. Et par médaille, pardon, c'est dans l'autre sens, par médaille, je gagne à nouveau un jeton comme ceci, un jeton tactique. Voilà, Donc là, je je suis à suis au 39. max de mes jetons tactiques, j'en ai 5, je ne peux pas avoir plus. Très bien. Ok. Donc maintenant, phase principale. Je
Je vais pas en faire, mais par contre, je vais faire une phase de défausse. Vas-y. Je vais défausser charge niveau 2, puisque pour le moment, elle m'est pas réellement d'utilité. Je préfère gagner des PC. Ça va pas beaucoup changer la charge de niveau 1. Mmh. Donc, du coup, je la défausse et je gagne un PC. Donc, je passe à 3 PC. Ok. Voilà. C'est à moi ? C'est à toi maintenant. Ça marche. Donc, je me mets un PC tout de suite, en début de mon tour de jeu. Ensuite, je pioche une carte. Je reprends mes cartes que j'avais de côté. J'en avais une. Donc, j'ai la carte au bunker. Au bunker, même. Bunker, c'est bizarre comme mot. Au bunker, qui a 2 points, qui vaut 2 points de combat. Un joueur de votre choix gagne protection. Ce que je vais faire tout de suite, je vais... Alors, attendez. Je vais faire une petite combinaison, je pense. Je vais dépenser 2 pions tactiques qui me font gagner à n'importe quand un PC par pion. Donc en fait, je ne vais pas me les mettre et je vais jouer ma carte qui coûte 2 PC. Très bien. Et donc, je vais me donner un jeton protection qui est ici. D'accord. Petit jeton comme ça. Et qui dit « Prévenez la moitié des dégâts entrants ». Un joueur possédant ce jeton peut le dépenser à n'importe quel moment pour prévenir la moitié des dégâts entrants, arrondi au chiffre supérieur. Très bien. Alors ensuite, je ne vais... Enfin, ma phase principale est terminée. Attends, je... n'oublie pas la phase d'entretien. Oui, de lancer ton... le dé de machin. Voilà, si tu tombes sur 1 ou 4, tu subis un dégât, sinon tu le... Eh ben, j'ai 3. Hop, tu as un dégât. Non, il est pas retiré. Il est retiré que si tu fais 5 ou 6. Il reste tout le temps. D'accord, donc j'ai rien. Bah si tu fais 1 ou 4, tu subis un dégât. Si tu fais 5 ou 6, tu subis rien. Entre 1 et 4. Bah oui. Non, mais tu dis si tu fais 1 ou 4. Ah oui, entre... Ouais, autant c'est pour ça que j'avais 1 fait 3. 4. Ok, bon, bah alors un dégât, pardon. Voilà. Je retombe à 29. Je vais m'expliquer. Entre 1 et 4, c'est 1. Et si tu fais 5 ou 6, tu subis pas de dégâts et le jeton est retiré. Ça marche. Normalement, tu l'as toujours jusqu'à... Bon, bah écoutez, j'ai 29 points de vie. Et moi, 39. Oui, bon, c'est... Donc, allez, je lance les dés face offensive. C'est parti. Alors, j'ai 2 étendards, une médaille et 2 trucs... Alors, attendez, je regarde. Ah, attendez. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Je vais essayer une grande suite. 1, 2, 3. J'avais un 5, là. 1, 2, 4, 5, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai ma grande suite. Je gagne avantage tactique. La petite suite. 1, 2, 3, 4, 5. La grande, c'est 2, 3, 4, 5, 6. C'est par nombre de dés, Théo, là. C'est pas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai les dés qui suivent. Tu te rappelles plus de ça ? Non, mais... Regarde, oui. Regarde ta fiche. Donc, pour le coup... oui, d'accord. Ben oui. Alors, je reprends. Donc, j'ai une grande suite. Je peux faire soit 2 choses, en fait. Je peux faire. Je vais vous montrer parce que je l'avais amélioré. Donc, je peux vous la rapprocher. Donc, j'ai fait une grande suite parce que j'ai 5 dés qui se suivent. Donc, je peux faire exploit 3 ou je peux faire interdiction. Alors, exploit 3, si je fais ça, je gagne 3 avantages tactiques. J'en gagnerai... Alors, je ne vais pas y arriver. J'en gagnerai que 2 parce que j'en ai déjà 3 et c'est un empilement max de 5. Ensuite, j'infligerai compression. D'accord. On lira peut-être tout à l'heure si je le fais. Et j'infligerai 9 dégâts. Ou alors, interdiction. Je pioche 2 cartes. Faudrait... Et j'inflige compression à l'adversaire de mon choix, donc à toi. Faudrait que tu aies une médaille, je crois. Enfin, ça m'a l'air d'être une médaille, par contre. Ah oui, oui, non, je peux pas le donc faire, celui-là. Donc, je premier. Fais forcément, effectivement, je fais forcément exploit 3. Donc, je prends 2 pions avantage tactique, parce que j'en ai déjà 3. Et bah, avec tous ces jetons. Je t'inflige compression. On va lire ce que c'est. Alors, compression, c'est ce truc, je pense. Oui, c'est ça. Donc, tiens, je te le mets là et je fais tout tomber. Non, c'est bon. Et donc, la compression. Je dépense un point de santé, un point de combat, pardon, par tentative de lancer. Non, c'est toi qui dépensera un point de combat par tentative de lancer supplémentaire. D'accord. Pour sa prochaine. Pendant. Je vais pas y arriver. Hein. Pendant sa prochaine phase de lancer offensif, un joueur victime de ce jeton doit payer un PC.
Par tentative de lancer au-delà de la première. Retirez ce jeton à la conclusion de cette phase de lancer. D'accord, Donc ok. ça marche un coup en fait, Oui. mais ça peut te faire dépenser deux PC que tu avais besoin. C'est ça. Ok, donc voilà, et Ok. je t'inflige bien entendu 9 dégâts, donc tu as le droit de te défendre. Alors déjà, je ne peux pas parer avec Nira parce qu'elle n'est pas active, elle n'a pas 5 de vie. Donc je pars tout seul avec mes 3 dés. Alors, je tombe sur 2 griffes. Donc j'ai des points de Donc tu as vie. 4 dégâts rien qu'avec les 2 griffes. Donc je Et tombe à tu as une 25. épée, donc tu as 5 dégâts. Et moi 9. Je tombe à 24. Et moi je tombe à 30. Donc ça reste quand même serré. Ok, alors est-ce que je fais autre chose? Non. Non, c'est à toi. Très bien. Alors du coup, déjà, je gagne un PC. Je soigne Nira. Donc elle passe à 5. Et comme elle passe à 5, pendant votre phase d'entretien, si ce canon indique un minimum de 5, retournez-le pour que Nira soit active. Donc ça tombe bien. Comme elle passe à 5, elle devient active. Ok. Et je pioche une carte. Alors montre-la parce que c'est une Lien carte. maternel niveau 3, donc c'est pour ma phase de lancer défensive. Donc elle permet d'avoir 4 dés au lieu de 3 et infliger un dégât par lance plus un dégât par dent de sabre, soigner Nira par âme liée et si Nira est active, c'est pareil, tu subis 2 dégâts par Alors, griffe. par contre, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que là, elle est de niveau 3, ta carte d'amélioration. Avant de pouvoir la poser, il faut que tu passes ta capacité de pouvoir te soigner, te défendre surtout, en niveau 2 avant de poser ton niveau 3. C'est pour ça qu'elle me sert à rien actuellement et je pense, à mon avis, je vais la défausser. Mais Mais pour le voilà. moment, c'est pas cette phase-là. Donc je fais ma phase principale de revenu et d'entretien, c'est fait. Donc je vais faire ma phase de lancer offensive. Eh bien voilà, je vais rester à une phase. Comme ça, ton jeton va se supprimer. Parce que j'ai fait direct 4 lances. Si t'as pas de chance, Donc hein. c'est bestial. Donc tu subis 4 dégâts. Oh. Et comme Nira est active, Eh mais attends, je peux faire mon comme lancer. Nira est active, tu en subis 6. Ok, lancer défensif. Alors, deux épées, deux étendards. Deux sabres, deux étendards. Alors, par épée, donc t'as un dégât pour deux épées. Donc Très un bien, je suis dégât. à 29. Et je préviens un dégât par étendard. Donc tu m'en as donné combien? Tu en as 4, je t'en donnais 6. Donc j'ai 4 dégâts, je passe à 20, je sens que je vais mourir. Je suis à 29, c'est quand même serré. Ouais, mais bon. Ok. Ça Très marche. bien. Alors, Alors, moi, du vas-y. coup, je fais pas de phase principale, mais par contre, je vais défausser lien maternel 3 pour pouvoir passer mes PC à 5, puisque je les ai même pas utilisés. Donc, c'est plutôt pas mal si je tombe sur une bonne carte après. Ok. Donc, c'est à toi. Donc, je me mets un PC, je suis à 5. Et je pioche une carte. C'est parti. Eh bien, écoutez, moi, je vais améliorer tout de suite pour 3 PC mon lancer défensif. Je passe en contre-mesure 1 à 2. Et donc, voilà. Donc, pour chaque 2 épées, j'infligerai toujours un dégât. Mais je préviendrai un dégât par étendard. C'est la même chose. T'as peut-être juste pour Non, regarde. Ah Pour oui. deux. Ah non! Je lance 5 dés au lieu de 4. Ah oui, c'est ça. Ok. Voilà. Donc je dépense 3 PC et je vais juste dépenser mes PC comme ça. D'accord. J'y touche pas en fait. Très bien. Hop. Et donc ensuite, c'est tout. Je vais lancer phase offensive. Alors j'ai 2 médailles. Je le fais. Je les garde. Ah, attends, on a oublié un Oui, je truc, le ferai encore la après. phase Je le ferai d'entretien. après, tant pis, t'es où? 3, ok. Eh ben 4, très bien. J'ai manœuvre. Je gagne 5 avantages tactiques. Bon, j'en ai déjà. En fait, ce que je viens de dépenser, je gagne max 5, j'en ai 3. Et je t'inflige 5 dégâts imparables. Alors, ce qu'il faut dire avec les imparables,
c'est que ils sont alors pas parables. Ils Ouais. sont évitables, mais j'ai pas de jetons qui me permettent d'éviter. Non. Ils sont augmentables, donc toi tu pourrais Ouais. l'augmenter avec des jetons. Et il n'y a pas de règle spéciale de ciblage. Donc voilà. Donc bah, je l'ai subi. J'ai pas de phase de dé défensif. Et vu que j'ai pas de jetons évitement, bah, je l'ai subi. Donc je passe à 24. Voilà. Ok, et donc je fais ce que j'ai oublié encore, je lance mon dé. Tu subis le dégât encore. Parce que c'est entre 1 et 4. Bah décidément. Tu passes à 19. Je passe à 19, voilà. Je suis en train de mourir, Ouais, mais petit c'est serré, feu. je suis à 24. Et alors attends, est-ce que je fais quelque chose? Non. Non, c'est D'accord. à toi, vas-y. Donc, je gagne un PC. Je suis à 6. Donc, c'est plutôt très très bien, si j'ai une carte intéressante. Je laisse Nira active, donc je la laisse à 5. Ok. Je pioche une carte, donc bouge de là, Dis donc, je suis chez moi. qui ne me sert pas actuellement, en fait, elle permet de retirer un jeton d'altération d'état à un joueur de votre choix, mais voilà, j'ai Bah pas de toi, tu peux, jeton. si t'en Voilà, c'est as un, tu ça. peux. Mais j'ai pas de jeton actuellement, donc ça me sert à rien. Donc je fais ma phase de lancer offensive. Alors, je t'en prie, vas-y. Alors. Monte bien t'aider à la caméra, monte-les. Je regarde un petit peu. Ouais. Oui. Je vais faire. Donc je vais garder ça, ça et ça. Et il me reste juste à essayer de faire une griffe pour faire une traque prédatrice. Eh bien, j'ai fait une griffe du premier Super. coup. Donc, du coup, je soigne Nira de 1, donc elle passe à 6. Le maximum de Nira, c'est 7. Voilà, elle passe à 6. Et je t'inflige 5 dégâts. Et comme Nira est active, tu en as 2 de plus, donc tu en as 7. D'accord. Moi, je vais dépenser protection. Ici. Protection qui dit que je préviens la moitié des dégâts entrant en supérieur. Donc, j'en préviens 4. Donc, j'en prends 3. Plus ah mais non, c'était quoi ta phase de lancer quoi Ah ça? non, c'est 7, phase de lancer offensive. Ouais non, je fais ça. Donc du coup 3. Donc je suis à 16. Bah, la moitié des dégâts, on dit au Et je supérieur. vais quand même faire eh ben. Bah, c'est 4. Parce que 3, Non mais 3. je préviens 4, la moitié des Ah oui, dégâts au d'accord. Donc supérieur. j'ai mal lu. Oui. Et Donc essaie pas 16. de me faire mourir Mais plus non, non, vite. mais. Et Bon, je fais quand même. bon. Non, parce que je meurs déjà assez vite. Bon, c'est serré. Donc, je fais quand même ma phase de lancer défensive ensuite. Et donc, je lance, parce que je l'ai amélioré, 5 dés. Alors, par 2 dés. Oh, par 2 sabres, pardon. Bon, j'en ai trop, donc c'est mort. Par 2 sabres, je préviens un dégât. Donc, je m'en remets un. Enfin, je m'en remets un point de santé. Donc, je suis à 17. Bien. Et par étendard, prévenez un par étendard. Eh ben si, j'en ai deux, donc je. Ah non, c'est pas ça, attends, je me suis trompée. Je repasse à 16. Je recommence depuis le début. Pour chaque deux épées, je t'inflige un dégât, donc tu as un dégât. Et pour Un chaque fois. étendard, j'en préviens un, donc je repasse, voilà, à 19. 18. 18, ouais, je le mets en plus. À 18. Ok. Et c'est à toi, décidément. Eh bien, donc je vais pas faire de phase de principale parce que j'ai aucune carte que je peux jouer, mais du coup je vais défausser cette carte-là parce que j'ai Ouais. pas de jeton d'altération d'état Ok. pour gagner encore un PC. Donc je suis à 7 PC qui pour le moment me servent pas à grand-chose. Non, c'est vrai, tu joues pas de cartes spécialement. Donc Bon, voilà, donc c'est à c'est à toi. moi. Alors, je me mets un point de combat. Donc, je suis à 6. Et je pioche une carte qui est bouche de là. Pour un PC, je peux retirer un jeton d'altération d'état à un joueur de mon choix. Bah, je Ouais, vais c'est le celle faire que à je viens de moi-même, hein. défausser. Donc pour un PC que je dépense ici, je retire ça. L'hémorragie. Mais par contre, la phase d'entretien, elle est avant la phase principale. Ah, donc alors Donc je il faut que lance quand tu. même un Ouais, dé. voilà, c'est Non, mais ça. tu le gardes. Oui. Je lance Mais mon du dé. coup. Eh bah, tu subis un dégât.
Et voilà. Okay. C'était important de le préciser. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Mais après, c'est la première fois qu'on joue les persos. Hein, donc, là, je t'avoue que on découvre au fur et à mesure. Donc, voilà. Ensuite, je vais lancer ma phase offensive. C'est parti. Écoutez, je vais faire ça. Je fais ça. Non, t'as de la chance, bordel. Bon. J'aurais mis 12 dégâts. Ouais, mais t'as quelque chose. Mais oui, j'ai ça. Donc, je reprends encore. Et c'est très bien aussi. Et je t'inflige 5 dégâts imparables. Et attends, je regarde un truc. Je vais dépenser quand même un jeton tactique pour relancer un de mes dés. J'en dépense un autre pour relancer un de mes dés. Oh purée, j'en dépense un autre pour relancer un de mes dés. Je veux te faire 12 dégâts. Ça, je vais pas y arriver. Encore un. Je crois que tu vas pas y arriver. Tu vas avoir tout dépensé pour rien. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est le jeu. Mais à quel point j'ai pas de chance. Eh bien non. Eh ben bon, allez, j'en ai 5 quand même. Tant pis, t'as 5 dégâts. Par contre, je regagne mes 5. C'est pour ça que je l'ai fait. Avec Manu. Alors, je passe. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Je passe à. Je pouvais le faire, j'ai regagné. Je passe à 18. Donc, comme quoi, c'est vraiment très. Tu peux te défendre, par contre. Non, c'est imparable. Non. Ah, si. Si, si. Si, si. Mais je ne sais même plus, en plus. Okay. Donc, voilà, donc c'est vraiment très, très serré. Alors. Attends, est-ce que tu défausses ou tu joues en phase principale? Non, je ne fais rien, c'est à toi. Très bien. Donc, je gagne encore un PC, décidément. Je suis à 8. Et la limite, c'est 10, non? C'est on ne l'a jamais fait. C'est hein. 15, je crois. Ah oui. Je pioche une carte qui ne m'intéresse encore pas. Donc, c'est réanimé bah, c'est... pour 2. Bah si, réanimé 2. Oui, mais non, elle ne m'intéresse pas. Je ne joue pas réellement avec le soin, là, actuellement. Donc, c'est gagner lien avec Nira, soigner Nira de 2 par... voilà, ça ne m'intéresse pas, okay. En tout cas. Donc voilà, donc je fais ma phase de lancer offensive. Ok. Alors. Oh, t'as plein de griffes encore et t'as trois machins. C'est quoi les trucs? C'est des amulets. Oui. C'est quoi amulets d'ailleurs? J'ai pas grand chose. Ouais, et ben je vais tout relancer. Ok. Donc deuxième lancer. Oh, comme ça, j'ai encore des griffes. Alors, j'ai deux griffes, une âme liée, il me faudrait une épée. Enfin, une lance, pardon. Okay. Et bien, comme ça, et ben, je crois que j'ai absolument rien. Si, non, j'ai, j'ai un truc, mais ouais, j'ai un truc. C'est quoi? C'est réanimé ce que je n'ai pas utilisé tout à l'heure. Je soigne Nira de 3. Bah, donc du coup, bah, elle passe au max, je crois, c'est ça. Ça doit être 7, le max. Mm. Oui, c'est 7. Donc elle passe au max, okay. Voilà. Et je gagne lien. Ok. Et, c'est quoi, lien? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je peux soigner Nira de 2 ou autrement, je répartis les dégâts que je subis entre c'est elle et si moi. C'est pas si mal, ça, quand même. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc c'est à moi. Et puis je vais redéfausser cette carte-là. Pour gagner un PC me sert à pas nouveau. Pour un PC, voilà. Ok, à moi. Donc, non, truc. Je gagne un point de combat, je passe à 7. Je pioche ma carte. Et j'ai une carte bleue, phase principale. Pour 2 PC, je peux retirer tous les jetons d'altération d'état de moi. Hein, mais j'en ai pas, donc je m'en fiche. Donc, je lance tout de suite mes dés. Très bien. Et j'ai donc 2 comme ça. Et ben voilà. On va voir comme ça. Donc, en hauteur, ce qui est le max de ce ultime. Qu'on peut faire pour le tacticien. L'attaque ultime. Infliger prix pour cible. Alors, je vais te lire prix pour cible. Tiens. Donc, prix pour cible. Empilement max 1 pour 2 dégâts d'attaque entrant lorsqu'un joueur... Non, plus de dégâts d'attaque entrant à chaque fois. Lorsqu'un joueur victime de ce jeton est attaqué par un adversaire, l'attaquant augmente ses dégâts de 2. Modificateur d'attaque persistant. À part si t'as une carte, du coup. Voilà. Ensuite, compression. Donc, ce que t'as eu tout à l'heure. Oui, hein. Tout à l'heure, oui. Ensuite,
D'accord. Je gagne le maximum, puis gagner le maximum de jetons avantage tactique, je les ai déjà, et infliger 12 dégâts. Les dés peuvent être altérés pour prévenir une ultime. Ensuite, aucune action ne pourra plus être réalisée par un adversaire avant que la capacité soit totalement achevée. Bon, qu'importe, à mon avis, tu peux Donc te soigner quand c'est même. sympa de lire sa petite phrase aussi quand tu fais l'attaque ultime. Là où je passe, je commande. Donc moi je Donc t'as 12 vais dégâts, bah tu peux te défendre maintenant. déjà je vais utiliser mon lien avec Nira, donc c'est-à-dire que je répartis, enfin en fonction de ce que je vais Ouais. subir avec ma phase défensive, je répartis Ouais. les dégâts entre elle et moi. Donc D'ailleurs, j'aurais elle va en bien. subir, on va dire. Bah 6 et 2, 6. ouais, non, 4, ouais, 6 et moi 6. C'est mieux. Avant ma phase Donc voilà, défensive. 6 et 6. Bon, de toute façon, t'as 12, donc après, tu feras comme tu veux. Donc voilà. Alors. Eh bien, alors moi je me soigne de rien, donc dans tous les cas, Donc 6 et 6. Nira subit 6. Ok, et moi j'ai. Donc elle est à 1, donc elle devient inactive. Moi j'ai un dégât. Alors non, toi tu as 5 5 dégâts. dégâts. Ok, Et je passe à 12. moi j'en subis 6, donc je passe à 12 également. Eh Voilà. ben. Comme quoi, c'est vraiment très serré. Alors, c'est Ok, à toi. Est-ce que tu alors est-ce que je fais... fais quelque chose? Non. À D'accord. toi de jouer. Donc je regagne un PC, mais j'ai l'impression que mes PC ne me servent à rien. Bah moi aussi je suis à 7. Hein. Donc voilà. Ensuite, je pioche une carte. Qui est Joker Fou, Ok. changez la valeur de 2D de votre choix. Donc elle peut être très bien, parce que je sais ce que je veux faire. Alors, on va voir. Je fais ma phase de lancer offensive. Je t'en prie. Et aussi, oui, je soigne Nira comme elle est inactive. J'ai oublié ça. Voilà. Alors. Ok, j'ai déjà ça. Deux dents de sabre. Ouais. Bon, c'est quoi déjà ma carte? Ok. Allez, on y est presque. J'avais dit deux dents de sabre, je suis à trois dents de sabre. Donc j'ai fait trois lancers là. Mais je vais utiliser ma carte Joker Fou pour deux PC pour changer la valeur d'un dé de mon choix. Voilà, très bien. Donc je vais changer celle-ci pour la passer en 6. Et N'oublie pas que ta compression, Coco, tu dois dépenser un PC par lancer, ah bah, au-delà alors du du premier, coup j'en ai moins dépensé 2. 2, donc je suis à 8, et encore 2, donc je suis à 6. Autant pour moi. Donc du coup voilà. Et je vais utiliser la capacité de Nira pour relancer un dé. Okay. Donc je lui inflige un dégât. Donc du coup, je lui inflige un dégât. Faut que je fasse dans l'ordre. Je lui inflige un dégât. Donc elle passe à 1. Donc je vais vraiment avoir deux chances pour essayer de finir la partie. On croise les doigts. Bon, toi, pas moi. Alors, comme j'ai compression, je repère un PC. Allez, on réessaye. Eh bien, j'ai pas de chance. Je vais réessayer une deuxième fois. Ça fait comme moi tout à l'heure, hein, quand j'ai dépensé tous mes jetons. Alors, Tactique, là. je passe à 0, donc Nira est morte, donc je pourrais plus l'utiliser. Voilà. Non, Et je repère un PC à cause de ton jeton compression. la pauvre. Ouais, Et super allez. cool, hein. Allez. Pauvre Nira, t'as tué ton tigre. Eh bien, j'ai pas de chance. Tu n'as absolument rien et moi j'ai tout perdu. Ah, si, tu as quelque chose. Autant pour Ah, moi. pardon. Heureusement. Quand même. Donc, bah, Oui, nature cruelle. je soigne Nira de 1, mais du coup, comme elle est morte, je sais pas si ça Bah marche. si, tu la soignes, c'est pas grave. Même si on fait tes petites erreurs de règles, Je on sais s'en pas. fiche. On va dire, elle Allez, repasse. soigne-la et j'ai 5 dégâts imparables. C'est pas gentil, ça. Voilà, elle passe à 1 et tu as 5 dégâts imparables. Attends. Donc, tu peux pas les parer. Non, mais je peux te faire un truc. Sélectionnez un dé de votre adversaire et forcez-le à le relancer. Bah oui, vas-y. Non, je le fais pas, t'as soigné ton tigre. Moi, je suis Ah l'ami bon. des animaux. Ah bon, tu fais comme Alors, tu 5 dégâts veux. imparables. Eh oui, je suis l'ami des bêtes. Tout le monde le dit. Et ils ont raison. Alors, Alors, 7. 7. Je joue avec le feu, mais Et tant pis.
Et du coup, voilà. Donc c'est à moi ? J'ai perdu mes PC. J'ai tenté le tout pour le tout, mais au moins je t'ai infligé quelque non, chose. Non, je veux pas que ton tic soit mort. Alors du coup, je ne le ferai pas. Allez, hop, je me mets un point de combat. Hop. Je pioche ma carte. Donc j'ai ces cartes-là. Est-ce que je fais ça ? Bah, tu non, parce que ça sert à rien. Ça, bah, je la garde au cas où. Et pour deux PC, j'améliore ça. Manœuvre. Manœuvre et reconnaissance. Donc, elle est ici. Voilà. Et donc, pour deux PC, je suis à... Non, même pas. Pour deux PC, ici. Hop. Très bien. Et donc, je lance mes dés. Phase offensive, c'est parti. J'ai 4 épées plus un étendard. Eh bien, j'ai 5 épées. Ça te fait 6 dégâts plus... Attends. Bah 2. Plus 2. 2 avec ça qui est permanent. Et par contre, le compression, on a oublié de l'enlever. C'est que pour un tour. Oui. Donc, tu as 8 dégâts. Que je peux quand même essayer oui, de parer. Oui, c'est pareil. Alors, j'ai... 3 dés à lancer. Donc... Eh bien, je subis mes dégâts, mais toi, en retour, tu en subis 5. Oh, bah, je suis à 2. Ah, attends. Je peux faire un truc ou pas ? Non, t'as pas de protection. Ah non ! Bon, bah, tant pis, je suis à 2. Et tu peux pas utiliser ta carte pour me forcer à changer. Je suis à 2. Donc, 8, c'est ça ? Ouais. Donc, 12, je suis à 4. Génial ! Et c'est la première fois depuis longtemps que c'est aussi serré. Vas-y, monte ton truc parce que c'est assez drôle. Très très serré, j'espère que... Là, ça se trouve, je te tue. Bah non, c'est moi qui te tue. Ah oh non, il va me tuer. Ou ça se trouve, on va se tuer tous les deux. Ouais, mais j'ai... Ouais, mais ça se trouve, on va se, mettre, se tuer tous les deux. Allez, vas-y, joue. Ce serait vraiment très beau. Ou pas. On joue ensemble et on meurt ensemble. Oh, oh c'est beau, c'est beau. Je pioche une carte quand même très intéressante enfin, doubler ça pour un PC, en plus je viens d'en gagner un donc je me le mets pas du coup ouais. Et ça me permet de piocher deux cartes donc je la défausse et je redonne aussi deux comme elle est inactive ouais. Un point de vie à Nira et du coup je pioche deux cartes. Voilà. Ah bon, enfin des cartes intéressantes ouais. Alors c'est coup de main, sélectionnez un dé de votre adversaire et forcez-le à le relancer, bah, c'est comme ce toi ouais. Et j'ai double joker fou qui me permet de changer les valeurs de 2 dés de mon choix. Donc voilà. Ça c'est bien ça. Donc c'est parti, j'attaque. Bon, adieu. Peut-être adieu nous deux. Oui, oui. Allez, vas-y. Alors, oui, déjà, j'en ai 3. Donc n'oublie pas que t'as ça en plus. Que c'est-à-dire que... Ah bah non, moi de toute façon, je vais mourir. J'ai ça et ça. Ah bah je... Ah non, j'ai pas encore... Bah déjà là, tu me tues avec tes lances. Oui, je suis à 3. Si je pars rien, je meurs. Mais non. Quoi ? Eh bah c'est fini, parce que tu vas pas pouvoir parer. Pourquoi ? T'as 2 points de vie. Oui. Du coup, je vais utiliser Instinct Féroce... qui me permet de gagner lien ah avec non, Mira deux dégâts un par et t'infliger 2 dégâts un par allez il m'a tué rip moi-même bon bah écoutez voilà hein, c'était une petite partie de Dice Thrones enfin Dice Throne pardon saison 2 et donc bah c'était une belle partie parce que pour très une serré. Première en plus qu'on connaissait pas du tout les persos je trouve qu'on s'est quand même bien débrouillé. Ah oui, oui, très bon, bien. Bon, après, c'est pas la première fois qu'on joue à Dice Throne. Non. Donc, bah, écoute, bravo à toi. Bah oui, bravo. Belle guerre. Ouais, c'était belle une belle bataille hein, on va dire. Hein. Donc, voilà. Donc, bah, n'hésitez pas, parce que c'est un jeu plutôt sympa, surtout quand on n'a pas l'habitude spécialement d'être joueur. Hein. Mmh. C'est facile à apprendre, tout est bien expliqué. Et puis, après, une boîte, ça vaut environ 25 euros. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les boîtes. Après, si ça vous plaît, vous pouvez acheter plusieurs boîtes. Mais oui. Une boîte est composée de deux personnages. Vous pouvez faire une bataille à deux. Quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis, les dessins sont super. C'est du beau matos. Les compteurs de points de vie, points de combat, tout ça, les points de santé, pardon, c'est plutôt sympa. Donc oui, n'hésitez pas à vous procurer ce jeu hein, de chez Lucky Duck Games. C'est vraiment de la bonne qualité. Hein.
T'en penses quoi, toi, Théo, de ce jeu? Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais... Bah, c'est l'un de mes jeux préférés. J'aime bien la mécanique. Il y a beaucoup de tactiques différentes. Soit on peut jouer avec les PC, soit on peut jouer au niveau du soin, au niveau des jetons. Enfin, il y a vraiment une rejouabilité différente avec... Oui, puis il y a un peu de hasard avec la pioche. C'est ça, avec la pioche, avec les dés. On peut aussi embêter l'autre lors de ses phases de lancer offensive ou défensive. Non, c'est vraiment sympa. Et puis d'un personnage à l'autre, les personnages sont vraiment très beaux. Et puis d'un personnage à l'autre, vraiment la jouabilité est vraiment différente, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est Donc cool. c'est vraiment sympa. Et puis les petites phrases sont sympas. Moi, je vous ai pas lu la mienne. Alors, C'est vas-y. deux valent mieux qu'un dans la vie comme au combat. Oh, c'est beau en Très belle plus. phrase, Sympa. philosophique. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Donc vraiment sympa. Bon, bah écoutez, voilà, donc on espère que cette partie de Dice Throne vous a plu. On vous laisse là-dessus et puis on vous dit Salut! salut!